Ma Mission TV, le miroir du monde. Yango Satan a yé moko moutoua loka République démocratique du Congo ou bien kaka bandoki amokili. Pour ma rambo sali marana mboko yo, nil par ailleurs. Mercredi 15 mars 2023, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a yambaki dynamique des leaders politiques et communautaires. Yaba province Oyo et Ezali ko constitué Grande Orientale. Na cité à Union africaine, wapepai, ba betagi masolo et belé ou italagi kaka, visite na bango. Kasi kaka na kati ya masolo, babandai go beta, nde bayaki ko évoqué. Dossier ya état de siège, ou yu memela ba congolais ba problème ya makasi, sur le plan sécuritaire ya est, ya République démocratique du Congo, koto population ya est, et sa la ba marche pacifique ya nenge na nenge, po na kosenga na ba autorité oyo ba décrétaka état de siège ba longola yango po epesa na yango ata résultat mon côté ya malamu na yango ba leader ya espace grand oriental ba tuni mokonzi ya mboka question sur état de siège kasi bo fungola mato ipe boyo ka réponse ya président de la république on a banana na état de siège wana ande konanga ituri bozalia. L'état de siège, on est à dire invention en réalité. Nayaka Kota Ladino, on a sous Ladino, n'a pas passé au lieu. On a dit, Dino, au Pessingali, Dewan, au Dino, en tout cas, on a une solution. C'est-à-dire, au décrété, et on a vu tout le monde, on a état d'urgence. Donc, comme ça, ligne état d'urgence. Maintenant, on a été pour. Je n'ai pas consulté la juriste, le cabinet m'a dit non, non, l'état d'urgence est déjà beaucoup plus compliqué. Les Sénégalais sont dans l'état de siège. Il y a votre décret qui est dans le siège pour militariser l'administration pour qu'il y ait un peu de résultat. Le quoi, bien non, non, pour vos Sénégalais, au lobby que vous s'appelez dans votre autorité, et vous êtes souverain. Malheureusement, le programme a déjà depuis l'année passée. Celui pour l'Andaki, la média, pour la cause à Bayeti, en tout cas, il y a eu quelqu'un. Il y a eu un parce que le programme qui date des Araki, tout le monde a un député, la société civile, tout ça, moi, il faut rendre mon cours. Malheureusement, il y a eu ma casse, la S, le Colobanon, la situation de Zalioyo. Puisque l'état de siège des alliés, gestion militaire, donc promis qu'on a insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans Ituri, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. Le Nord Kivu est dit agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans Ituri, c'est plutôt des guerres. Communautaire, on va dire. Plus communautaire, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers, ADF, tout ça, mais c'est autant. Mais ce n'est pas une agression orchestrée, inspirée par les étrangers. Quoique, même par ADF, on a fait une demande, celui qui est là, l'islamiste, quand étranger, on a un voisin, on peut avoir un islamiste. Mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que dans le nord Kivu, il y a des agresseurs, on a dit, il y a des alliés à Bambouma, qui connaissent sur le nom de Bambouma. Fati Beton, il y a des abysses au Kassi. Vous avez dit que pour que l'état de siège d'ailleurs, parce que Yomoko, vous allez reconnaître que et Simbate. Malheureusement, le programme a déjà depuis l'année passée. Celui pour l'Andaki, la média, pour la cause à Bayeti, en tout cas, il y a l'occasion. Et c'est là qui, parce que le programme qui date des Araki, tout le monde a un député, la société civile, tout ça, moi, il faut rendre mon cours. Malheureusement, il y a ma casse, la S,
de Colombano, la situation de Zali Oyo, puisque l'état de siège Zali, gestion militaire, donc comme il faut l'insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans Ituri, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. En Nord Kivu, il y a une agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans Ituri, c'est plutôt des guerres communautaires, on va dire. Plus communautaires, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés des étrangers, ADF, tout ça, mais c'est important. Mais ce n'est pas une agression orchestré, inspiré par les étrangers. Quoique, même à ADF, on a fait une demande, celui qui est là, l'islamiste, quand il y a l'étranger, on a la voisin, on peut avoir une islamiste. Mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que dans la Nord, Kivu, il y a des agresseurs, on a dit, il y a des. Na banzi bino moko boyoki ndenge chef de l'état awangani na yeta de siège alobi wana penza ezalaka na yango évasion topé idé na yete kaka batu ya estende basengana na ye a décrété état de siège na suka ya masolo ba leader ya espace seconde oriental ba remeta ki fatu beton mopange na kado oyo ba memela ki ye bino moko Ota landenge atomboli chèque ya $100,000 mokoka comme caution ya candidature na yé na élection ya décembre 2023. Donc ndenge zaboyi côté mbongo ya dépôt ya candidature ya CENI Félix Antoine Tshisekedi ya longwe na yé déjà na ngambo et puis a ko dépenser na yé ata enfanté pour déjà ba fouteli kasi ya ko kamwa ezali que $100,000 oyo ba remettre Fatou Béton Bah, PCN Nato, il y a 23 500, alors que, et ça n'est même pas une semaine depuis, gouvernement congolais et Outaki ont fixé prix à taux d'échange, topé à transport, car si écoute ici, il y a sous confusion, il y a mis tout à congolais, comme on a n'engé mon konzi en boka yemoko, à Zwimbo, on a taux, il y a 23 500. C'est que, bah, Kambi, c'est OEP, bah, Zali, qu'on changeait dans le coin, il y a bah, venu, na taux, il y a 23 500, bah, Zana Bango, na raison. Moutoua, kocha, bango, lui, sous, mal à l'aise, azati. Nangambo, moussous, Nzokande, sortie médiatique, il y a Corneille Nanga, et Tikaki, bah, candidat, malheureux, il y a l'élection, il y a 2018, qui miate, c'est tout n'engé, à Talisa Kiku. Bah, l'élection est 2018, Et zalaka na yango négociation pour na kobo ya makile ya ba congolais etanga yango ba publia ka ba résultat oyo to monaka Lorola initiateur ya loi ya de père et de mère Noël Chani a zalaka candidat présidentiel na ba élection ya 2018 yepe a salaki ya yé sorti médiatique wape pai a zali ko réclamer $100,000 na yé ya pasi Oyo apesaka comme droit ya kozala candidat présidentiel na élection en 2018 ndenge nanga yemoko autai koloba ke élection en 2018 ezalaka na yango négociation pona Noël Chani alobi ke azali ko considérer le rôle en 2018 ba élection isalemaka te trésor public eskuka ginde bango na yango asengi bazongisela ye penza mbongo na ye ya pasi Atika la kosa la tana gouvernement te Mwaito taxeye moyibi ya mbongo ya Congo Ezalite $100,000 wana E utaki na libenga na ye na mbongo na ye ya pasi Oyo asalaka Donc a boyi pena eskokeri na mbongo na ye Il faut mbongo na ye kaka Les révélations de Corneille Nanga Où il dit que l'élection était en quelque sorte un accord politique Bon moi je suis surpris que quelqu'un qui est tenu par le devoir de réserve puisse parler de cette façon-là. Je suis vraiment surpris. Et Corneille Nanga, c'est un ami, je le respecte beaucoup, mais je crois que dans un autre monde, après qu'il ait fait cette déclaration-là, il devait être invité par la justice pour qu'il puisse s'expliquer. Parce que si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que la démocratie a été truquée, a été tronquée. Imaginez par exemple nous autres on était des candidats. On a déposé $100,000, on a déposé $100,000 de caution pour participer à l'élection présidentielle. On dépose $100,000 de caution, ils prennent ça et ils vont faire des arrangements politiques pour
n'est pas passé par les urnes. Moi, je demande qu'ils puissent nous retourner nos 100 000 dollars. Moi, je demande qu'ils puissent nous retourner nos 100 000 dollars. Moi, je demande qu'ils puissent nous retourner nos 100 000 dollars. Le trésor public nous a volé de l'argent. Le trésor public nous a volé de l'argent. Le trésor public nous a volé de l'argent. Je demande qu'on puisse nous retourner à tous les anciens candidats là, 100 000 dollars. Pourquoi? Parce que, en réalité, il n'y a pas eu élection d'après les dires donc de Corneille Nangaa. Alors, si c'est ça donc les conditions, assumons-nous donc jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je demande aux autres candidats, peut-être que nous devrions commencer par amener Corneille Nangaa au tribunal pour qu'il puisse nous restituer donc nos 100 000 dollars. Et à partir de là, on va déterminer donc si ce qu'il avait dit était réellement ce qui s'est passé. Ah wapé, Noël Tchani, appelez-le par candidat malheureux. Il y avait élection présidentielle, il y a 2018, pas sangana. Pour na goyebi sa na Corneille Nangaa azongi se la bango ba 100 000 dollars na bango, est-ce que ba candidat malheureux mususu bagoyo kambela oyo, c'est-à-dire dossier oyo penza ezali à suivre. Ma mission TV, le miroir du monde.